Chers amis, chers fidèles du Christ, chers chercheurs de Dieu, nous nous retrouvons avec plaisir après une trêve pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et j'espère avoir reçu votre excuse et votre pardon. Eh bien, nous sommes le 31e dimanche de l'an de grâce C. Et les textes que l'Église, notre Sainte Mère, propose à notre méditation pour demeurer des enfants de Dieu, vivre selon sa volonté, sont les suivants. Sagesse, chapitre 11, du verset 22 jusqu'au chapitre 12, verset 2. 2 Timothée 1, chapitre, verset 11, pardon, jusqu'au chapitre 2, verset 2. Et l'évangile de Luc, au chapitre 19, le verset 1 à 10. Jésus et Zachée. Quelle rencontre, quelle merveilleuse histoire. C'est la rencontre de Dieu et de l'humanité. C'est la rencontre de la vie à la recherche de l'homme. Zachée est cet homme que tout porte à disqualifier. Il est de petite taille, il est collecteur d'impôts et le regard social sur lui est pitoyable. La preuve, il va vouloir se soustraire à celui-ci, au regard social, pour voir Jésus. Zachée veut voir et il va monter sur un arbre. Quelles étaient les motivations de Zachée? Serait un jour intéressant de réfléchir. Mais elles sont nobles. Zachée, comme Hérode, veut voir cet homme qui a un langage particulier, cet homme qui sème le bien tout autour de lui. Il a sûrement entendu tous les gestes. Il a été au courant et même témoin des miracles de Jésus. Il veut le voir. Savait-il que ce serait le jour d'un nouveau départ dans sa vie? Non. Alors, Jésus arrive à son niveau. Vous imaginez bien la foule qui l'entoure. Il lève les yeux et il appelle par son nom. Dieu nous appelle par notre nom. Il nous connaît. Zachée, descends et je mange chez toi. Je veux séjourner chez toi. La révolution, elle est là. Il était méprisé ou regardé par certains, on va dire les puritains, qu'il avait classé comme on dit ici. Qu'est-ce qui peut bien sortir de là? Et voilà que Jésus crée quelque chose de nouveau. Il l'appelle par son nom, il va s'inviter à sa table. Vous imaginez les pharisiens qui montent au créneau pour crier au sacrilège. Et nous aussi, nous ressemblons bien aussi à ces pharisiens qui nous octroyons le droit de juger et même de condamner définitivement nos frères et sœurs. Jésus entre chez Zachée et la seule présence de Jésus bouleverse la vie de celui-ci. Est-ce que Jésus a déjà bouleversé ta vie? Pour que comme Zachée, tu te souviennes que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, non. Mais que le pécheur change, se convertisse afin qu'il vive, comme il était écrit dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, autour du verset 30. Et que le juste demeure fidèle, parce qu'il n'est pas question pour le juste de devenir infidèle sous peine d'être taxé par Dieu. Alors, ce jour, nous regardons cette scène très belle, où Kounounou se reconnaissent. C'est en évocation l'accueil que Jésus a réservé à Marie-Madeleine, à la femme adultère, comme à toutes ces personnes qui ne comptaient pour rien aux yeux des autres, mais qui aux yeux de Dieu ont du prix. Oui, aujourd'hui, à travers Zachée, Dieu te dit, tu as du prix à mes yeux. Mais est-ce que toi-même, tu sais que tu as du prix aux yeux de Dieu? Est-ce que toi-même, tu as du prix à tes propres yeux? Le regard social, Dieu seul sait qu'il est prompt à nous diminuer, à nous réduire, qu'à nous exalter. Zachée se laisse saisir par le regard de Dieu. Sa déclaration à elle seule est un programme de vie. Hier, j'étais le profiteur. Désormais, je suis le généreux. Dieu nous appelle à la vie. Et la rencontre avec le Christ ne saurait nous laisser indemne. Zachée va partager, c'est bien. Voilà une œuvre de miséricorde divine. Partage avec les nécessiteux. Zachée reconnaît
que Dieu est désormais celui qui pourvoit à tout. Et son changement, apprécions-le, est radical. Il a sûrement stupéfait les uns et les autres. Aussi, nous allons rechercher dans nos vies le signe ou les signes qui marquent notre vie nouvelle, notre nouveau départ en Jésus-Christ. Oui, quels sont les chantiers de conversion sur le plan personnel, plan familial, sur le plan communautaire, sur le plan national. On peut élargir les espaces. La rencontre de Jésus avec Zachée est la rencontre du bonheur, d'un nouveau départ. Dieu donne à chaque être humain la chance, oui, à toi, à moi. Aussi, sachons-nous, ou sachons donner aux autres cette nouvelle chance. Jésus rencontre Zachée et la vie est totalement bouleversée. Il l'a dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 1. Je toque à la porte de ta maison. Si tu ouvres, j'entre. Zachée a ouvert. Il a pris le risque, un bienheureux risque du reste, d'accueillir cet homme qui sûrement le fascinait. Et la suite, on la connaît. Elle est heureuse, elle est belle. Et Jésus lui reconnaît le statut d'enfant d'Abraham. Oui, nous aussi promptes à juger les autres. Voilà qui nous est rappelé. À Dieu seul le jugement. Nous si promptes à taxer les autres de ci, de ça, mais c'est un danger contre la foi. Et Paul, justement, enjoint à son fils Timothée une foi active, une foi qui porte des fruits. Et la conversion de Zachée est le signe, le témoin d'une foi active. Depuis que toi et moi sommes croyants disciples de Jésus, qu'est-ce que nous portons comme fruit? Fruit de conversion. Et justement, la rencontre de Jésus avec Zachée apporte un éclairage nouveau sur la première lecture, notamment le livre de la sagesse, où Dieu est encore célébré comme le maître de tout, le maître de l'impossible. Aujourd'hui, Jésus est à la porte de ton cœur. Quelle que soit la situation qui est la tienne, il attend. Peut-être que comme Zachée, tu as couru au devant pour simplement le voir passer. Mais il s'arrête à ton niveau, devant ta porte. Et il te dit, aujourd'hui, je vais manger avec toi. Il veut être ton invité. En fait, il t'invite à être son invité. Renversement de situation. Il fait de nous des invités de marque. Aussi, la rencontre de Jésus avec Zachée nous montre que la messe, oui, l'Eucharistie, est une fête où tous les Zachées du monde sont appelés à venir célébrer la vie, partager le repas, le pain de vie, boire à la coupe du salut. Parce que la fête chez Zachée est le reflet et même la dynamique de la fête dans l'Église qui est la messe aussi. Voici invité encore une fois mon frère, ma soeur, en ce 31e dimanche de l'an de grâce C, d'inviter Jésus dans nos vies parce qu'il est source de bien. Mais nous aussi d'entrer dans la vie des autres comme faiseurs de bien. N'entrons pas dans la vie de nos frères pour que l'eau soit plutôt un enfer. Non, quand quelqu'un vient dans ta vie, quand tu veux ouvrir les portes à quelqu'un, bien, que ce soit pour que tu apportes un meilleur. Puisse Jésus être accueilli dans nos familles, dans nos ménages, dans nos couples. La conversion, oui, est un défi de tous les jours. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Admirons la disponibilité de Zachée, sa simplicité, sa pauvreté de cœur, car Dieu ne résiste pas à ceux qui ont les cœurs pauvres. Es-tu riche ou pauvre en esprit? Sainte semaine, et retrouvons-nous la semaine prochaine.